Nous allons monter notre Hackintosh, mais avant cela, on va faire le tour des composants, en commençant par le boîtier, un Silent Base 600 de Be Quiet. C'est une tour au format assez classique qui est conçue pour être extrêmement silencieuse, ce qui était un de nos objectifs. À l'intérieur, cette carte mère de Gigabyte, une marque qui est connue pour sa compatibilité avec les Hackintosh, et un processeur Intel, un Core i5, qui sera suffisant pour notre configuration. Autre élément important, la carte graphique, une GTX 960 de MSI qui a l'avantage de couper ses ventilateurs quand elle ne fonctionne pas, quand elle n'a pas besoin de beaucoup de puissance, ce qui est à nouveau intéressant pour le silence. De la RAM 16 Go et un SSD de 750 Go, crucial. Deux disques durs de sauvegarde. Évidemment, un ventilateur spécialement pour le processeur qui est là encore. La marque Be Quiet pour son silence. Toujours la même marque, évidemment, l'alimentation, qui est elle aussi faite pour être silencieuse. Nous allons commencer par la première étape, l'installation du processeur sur la carte mère. Donc le processeur, le voici, c'est tout petit, c'est ce qui coûte le plus cher, et c'est le plus important dans l'ordinateur. La carte mère, avec plein de connecteurs, ce qu'on voit une fois le PC monté, et tous ceux qu'on ne verra plus après. Le processeur va ici, pour un cache qui est fait par Foxconn d'ailleurs, comme les iPhones. Nous allons installer donc le processeur et le ventirad, le ventilateur du processeur, avant d'installer la carte mère dans le boîtier. Nous avons placé la carte mère sur sa boîte d'origine afin d'éviter d'endommager ses composants. Nous avons aussi déchargé l'électricité statique de nos corps, touchant un objet métallique relié à la Terre. Deux étapes très importantes si vous voulez éviter d'avoir un ordinateur défectueux à la fin. Première étape du montage du processeur, nous allons placer la plaque qui maintient le ventilateur du processeur à l'arrière de la carte mère. Maintenant que la plaque est placée à l'arrière de la carte mère, nous allons installer le processeur. Vous voyez ce petit triangle doré sur un coin, il doit correspondre à ce triangle sur la carte mère. Maintenant, nous allons simplement replier la petite languette. Et voilà, le processeur est installé. Avant de fixer le ventilateur du processeur sur le processeur lui-même, on doit placer ces petites barres de métal. Nous allons maintenant installer la pâte thermique, qui est indispensable pour bien faire le lien entre le processeur que l'on voit ici et le bas du ventilateur du processeur. Avant de placer le ventilateur, pensez bien à enlever le film plastique de protection. Ensuite, vous pouvez positionner sur les vis le ventilateur. Pour finir l'installation, nous allons placer sur les vis le dernier boulon. Il reste une dernière étape, brancher le ventilateur du ventirad sur la prise CPU fan de la carte mère. Un petit détail important, sur ce modèle de ventirad, le ventilateur déborde sur le logement de la mémoire vive. Heureusement, il y a une solution, Be Quiet a pensé à ce cas de figure, et donc vous pouvez monter le ventilateur en enlevant ces petites parties métalliques et en les agrippant un peu plus haut sur le ventilateur. Nous allons installer la mémoire vive. Il y a 4 emplacements sur cette carte mère, nous allons en utiliser 2. Comme vous pouvez le voir, il y a des codes couleurs, elles fonctionnent par paire et il faut installer la paire dans le code couleur et en commençant toujours par l'extérieur. Nous allons passer maintenant à la suite, à savoir l'installation de la carte mère et des composants à l'intérieur du boîtier. Donc pour cela, on ouvre le boîtier. Sur ce modèle, il y a des vis qui s'enlève à la main. On peut tirer le plastique pour accéder à l'intérieur. Si vous n'avez jamais monté de PC, quelques remarques générales. L'alimentation, très souvent, va en bas. Ici, c'est le cas. En haut, on a l'emplacement pour la carte mère. Il y aura le processeur, etc. Au milieu, la carte graphique. Ici, les disques durs et le stockage. Là-haut, des emplacements pour des
CD, DVD, Blu-ray, etc. si on en veut, avec donc une trappe pour y accéder. Au passage, on a ici des ports USB et des prises casque. Avant d'installer la carte mère, il faut mettre ce cache dans l'emplacement qui est actuellement vide. On a placé la carte mère dans son emplacement dans le boîtier. À l'arrière, la plaque correspond bien aux différents connecteurs. Et on va pouvoir maintenant visser la carte mère. La carte mère est maintenant en place. Nous allons installer la carte graphique, que voici. Elle va aller dans le connecteur PCI E16X, le premier en haut, la barrette. Et nous devons retirer les deux trappes à l'arrière pour laisser passer les connecteurs. Il suffit ensuite de la positionner sur le connecteur et d'appuyer, et ça devrait tenir. Prochaine étape, l'installation du bloc d'alimentation dans son emplacement en bas du boîtier. Il suffit de le glisser et on rajoutera à la fin des vis pour finaliser l'installation. Avant de tout câbler, nous allons encore installer les disques durs et le SSD. Alors pour les disques durs, Liquoyette fournit un rail de caoutchouc à fixer avec des vis. Pour finir l'installation des disques durs, on le place dans le boîtier, on le glisse. Et sur ce modèle-là, on n'a plus qu'à baisser la vis et c'est bon, c'est fixé. Sur ce boîtier, il y a deux emplacements dédiés au SSD à l'arrière. Donc pour installer les SSD, il faut d'abord les visser sur une petite plaque qu'on mettra au dos. Les composants sont maintenant en place dans le boîtier. Il ne reste plus que la dernière étape, qui n'est néanmoins pas la plus facile, à savoir tout brancher, à la fois tous les câbles électriques qui partiront de l'alimentation et tous les connecteurs internes. Voilà, nous avons terminé le montage. Il ne reste plus maintenant qu'à tester si tout fonctionne et si c'est le cas, installer macOS dessus, ce qui sera peut-être pas l'étape la plus facile.